sois pas triste. De toute façon, t'en auras plus besoin. Par contre, je t'interdis de crever. Il nous reste encore quelque chose à faire. Wow, wow, Zen, calme. Ça fait un moment que tu pionces. Faut m'éviter tout ce qui est grand mouvement tout de suite. J'ai soif. Oh oui, attends, j'avais prévu le coup. Allez, ouvre grand. Relâche-moi. Impossible. Pourquoi ? Parce que tu me tuerais. Enfin, j'espère, parce que sinon, t'envoies une couille molle. C'est quoi le souci ? Je veux pas te tuer. Menteur. T'es le seul qui comprenne ce que je fais. Bon, tu comprends pas tout, mais au moins t'essaies. Tu te plantes, tu fais des erreurs. T'as juste besoin de quelqu'un pour t'expliquer. Puis bon, je suis mal placé pour faire la morale. Oh le coquin. Quoi? Non mais le jeu du « je veux pas te tuer, on va parler, boire un coup et tout ira bien » On dirait le mensonge d'un gamin de 10 ans. Je te mens pas. C'est ça, ouais. Bah alors ok, on va pas se mentir. On va jouer à un jeu. T'as déjà vu Star Wars? Oui, forcément, t'as déjà vu Star Wars, je suis con. On va dire que tu es Obi-Wan Kenobi et que je suis Anakin Skywalker. Tu vois, le côté obscur m'attire, il me tend ses bras. J'ai nulle part où aller. Alors, dois-je céder à la tentation ou dois-je écouter Obi-Wan comme un gentil padawan? Je suis pas sûr de comprendre. Mais moi aussi, je veux devenir maître Jedi. Alors, il est temps de passer le flambeau. Un Unmovies va devenir mon émission. T'es pas prêt? Soit c'est toi qui le dis, hein. Perso, je pense deux ou trois petits conseils et je devrais réussir à tenir la barque. Hein. Cette émission, c'est moi. Ouais, il suffit de quelques mots pour changer ça. Et ça va faire, attends... Bonjour à tous et bienvenue dans Unmovies. Pendant les différentes émissions, vous avez pu apprendre plein de choses sur des films peu connus, et j'imagine que vous êtes bien contents. Sauf que, entre nous, hein, pas connu, la plupart du temps, le présentateur se mouillait pas trop et vous offrait des présentations de films pas non plus super inconnus. J'ai donc décidé de changer ça et de taper enfin dans le vrai sens du mot unknown. Aujourd'hui, on va parler de... Oh non! Quoi? Contextualise le truc, putain, c'est... Tu peux pas juste balancer un titre de film comme ça, là, c'est complètement random, faut contextualiser. Bon, ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez mes loulous, mais... Oh là non! Quoi encore? Mes loulous. Bah quoi, c'est cool, non? Ça fait familier, personnel. Non, je suis désolé, non, là, ça fait juste con. Alors, je sais pas si vous connaissez... Que c'est laborieux, c'est un... Je crois pas que t'es dans la bonne situation pour voir ta gueule en répétition. Ok, je dis plus rien. T'allais dire quoi? Ah, parce que je dois reparler maintenant? Arrête de parler pour rien dire. Là, c'est bien, tu blablates, tu fais des formules, mais ça amène à rien, je veux dire. Arrête de parler pour rien dire. Et parle juste. Ouais, peut-être, moi.
Le Festival Cinéma Brut est un festival de cinéma français se déroulant à Mouans-Sartoux depuis 2006 et récompensant les longs métrages autoproduits. Ça veut dire que si vous faites un film qu'il est bien et qu'il est fait tout seul, vous avez toutes vos chances là-bas. C'est un peu le festival contre le système et les lois établies. Vous savez là, ces connards-là pour dire que si tu fais un film, il te faut une boîte derrière pour donner de l'argent. Là, c'est du pur homemade. Et donc, bah vu que c'est souvent fait par des amateurs et en plus des amateurs sans aucune thune, on peut voir à ce festival pas mal d'œuvres vraiment pas communes filmées avec des caméras toutes pourries mais qui veulent parler de cinéma et pas juste de pognon à amasser. Chaque année, ils remettent des prix aux meilleurs films. Brutal de d'argent et d'or. Et puisqu'on est dans la contre-culture, j'ai choisi un film que vous ne verrez sûrement jamais. Parce que même s'il a fait de petites projos, bah il a jamais trouvé de gens derrière pour le distribuer. C'est le gagnant du Brutal d'or 2013 et c'est... Sergueï Prakov. Non mais sérieusement? Quoi? C'est pas Sergueï Prakov? Bah si! Bah voilà. Non mais tu peux pas connaître ce film, il est jamais sorti! J'ai passé des jours à essayer de trouver le film que tu connaîtrais pas! Bah c'est raté. Tu sais, tu peux faire autant de recherches sur Wikipédia que tu veux, ça fera pas de toi un bon chroniqueur. Hein. C'est ce que je disais. T'es pas prêt. Bon, ok, fais l'émission. Ah, hein? Je pensais que tu voulais te la jouer en solo en ce moment. Je veux toujours, mais tu m'en empêches. Putain. Instruis-moi, Sensei. Sergueï Prakov, My European Dream, est un film de Raphaël Tcherkessky sorti en 2013. On va faire un petit point rapide là-dessus, mais je vais essayer de vous replacer le réal et son univers un peu complexe. Il est né en 84 à Lyon, Youpi Lyon, où il a vécu 3 ans de sa vie, puis il est parti avec sa famille vivre au Dom-Tom, où il a développé une vraie passion pour l'art en général et plus précisément la peinture. Après sa majorité, toujours passionné par les arts graphiques, il retourne sur Paris et tente une école d'art appliqué qu'il fuira aussi vite qu'il est arrivé et rejoindra ensuite les Beaux-Arts. Or, les Beaux-Arts, il y a plein de sections, c'est un merdier fini, et lui, au milieu de tout ça, il commence à réaliser des petits courts-métrages expérimentaux, des performances, avec notamment Glaus Trio, qui consiste en des caméras postées dans la nature, observant un homme des bois évoluer, ou encore Troublant, que l'on peut résumer une sorte de cauchemar de caméra subjective, passant du noir au noir et amenant de situations étranges en situations étranges. Ces deux courts-métrages performances l'emmèneront donc ensuite vers des envies de long métrage, dont le premier sera présenté au concours de fin d'année des Beaux-Arts, Sergueï Prakov. Comment tu sais ça, toi? Parce que je travaille. Ah, c'est sûr que si tu restes en surface, on va pas dépasser le niveau télé du délire. Sergueï Prakov, My European Dream, donc, est un cas un petit peu particulier et un poil rigolo pour le coup, parce que contrairement à ce dont j'ai parlé avant, il y a de fortes chances que vous ne puissiez jamais être en mesure de visionner le film. Techniquement, et pour faire très très simple, en France, pour qu'un film soit distribué, il a besoin d'un distributeur. C'est lui qui permet au film d'être diffusé en salle, d'avoir une promotion et tout le bordel qui va avec. Par exemple, pour un cas tout assez con et assez proche, Lost River, le premier long métrage de Ryan Gosling, a été diffusé à Cannes alors qu'il n'avait pas encore trouvé de distributeur en France. C'est seulement après avoir fait parler de lui sur la croisette et que les boîtes se sont dit tiens, lui il peut nous rapporter du pognon, qu'ils se sont intéressés à son cas. Et encore là, l'exemple est lointain parce que Lost River avait été financé, il avait eu des gros producteurs, et quand une boîte de production voit du pognon et des acteurs plutôt connus gravitant autour du truc, ça rassure, ça donne confiance dans le projet. Dans le cas d'un long métrage principalement autoproduit comme Sergueï, premier film d'un réalisateur inconnu avec des sujets plutôt extrêmes, bah difficile de rassurer des investisseurs potentiels, quelle que soit la qualité du produit final, même quand le produit final a vraiment, mais genre vraiment une belle gueule. T'as aimé? Évidemment que j'ai aimé. Rien qu'avec le pitch de base, j'étais déjà conquis. Le film raconte l'histoire de Sergueï, journaliste d'un pays nommé la Zdorvie, totalement imaginaire. Hein, cherchez pas sur une carte, il y est pas. Voyageant en Europe pour réaliser un documentaire sur le rêve européen. Il atterrit à Paris et voyage entre les clichés, les problèmes d'adaptation, les mésaventures et sombre peu à peu du rêve au cauchemar, passant de la découverte d'une société inconnue à la violence gratuite et malsaine. Et j'ai précisé cauchemar parce qu'il faut dire quelque chose tout de suite, ce n'est pas un film pour les enfants. Sous ses airs de Borat un peu mature, le film déconstruit les clichés et sonde l'âme humaine au plus profond pour montrer que même avec les meilleures intentions du monde, la société peut faire basculer un homme et faire ressortir ses parts les plus sombres et donc les plus violentes. Pour commencer, Sergueï est interprété par son réalisateur, Raphaël Tcherkessky himself, qui je vous rappelle est français. Or, qui dit invention d'un pays dit aussi invention d'un langage. Tout le long du film, Sergueï s'exprime en zdorvien, langage créé par le réalisateur qui consiste à inverser les consonnes ensemble et pareil pour les voyelles. Donc on dit pas allo allo, on dit. Et je pense que je vais sortir le compteur de œuvre totale parce que putain, à part des aspects comme celui-là ou d'autres, Sergueï est une œuvre totale. Pour préciser mon propos et aller plus loin dans le délire, sachez que le réalisateur du film a créé un pays, un langage, mais il a aussi créé un groupe de rap, Zdorviadesco, où lui-même rappe en zdorvien son langage inventé. Wow, ça rend bien? À propos du film, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu environ 90 pages écrites, histoire de créer une structure, mais il y a une véritable envie de la part du réalisateur de se détacher du texte. On est ici dans un cas bien spécial où, vu que c'est un faux documentaire, les acteurs sont obligés d'être conscients des caméras, comme un personnage à part entière du film, et donc devoir amener de l'imprévu pour créer de la vérité. Cette méthode est complètement opposée à du cinéma classique où la caméra est extérieure, là il faut jouer avec elle, créer avec elle, et donc parfois s'éloigner des sentiers un poil plus traditionnels. Toute la première partie du film se concentre
retourne sur Sorgueil tentant de faire son reportage. Il se balade, il découvre Paris, ses soirées, ses lieux touristiques, il a de l'argent, tout va bien, il fait beau, il fait chaud, c'est la fête. D'ailleurs, truc rigolo, même si la presque totalité des personnages sont des acteurs, dans les phases à Paris, il arrive par moments que ce soit juste des touristes ou des habitants ayant été intrigués par le système de caméras de Sorgueil qui sont venus s'adresser à lui naturellement. Résultat, pendant le tournage, il y avait toujours un ou deux assistants derrière prêts à récupérer des autorisations de droit à l'image de tous les passants pour essayer de les caser dans le film à peu près légalement. Et ça renforce le côté œuvre totale dont je parlais parce que la limite entre réalité et fiction est ultra floue et il n'est pas rare de prendre la fiction pour de la réalité et inversement. Question. Quoi ? Tes victimes, tu leur faisais signer une autorisation de diffusion ou pas ? Je t'insulterais bien mais je crois que c'est pas le bon moment. Exactement. Ensuite, les imprévus s'enchaînent, Sorgueil se fait agresser, il perd son argent, bref, il est lâché complètement fauché au cœur de Paris. Et c'est là où l'inversion commence. Sérieusement, si je devais parler de ce film en quelques mots, je pense que je pourrais le résumer à cette notion d'inversement des valeurs. Par exemple, je parlais de la langue, bah l'utilisation du langage dépend aussi de l'inversion du personnage. D'abord, il est carré, compréhensible, le personnage de Sorgueil se permet même de parler dans un certain anglais pour essayer de se faire comprendre au mieux des autres. Puis plus le film évolue, plus le langage devient de moins en moins maîtrisé, yaourt, jusqu'à disparaître à la fin pour ne laisser place qu'à l'expression de l'humain et de son corps, ce qui fait que son utilisation du langage renvoie directement aux différentes étapes d'inversion du film. Bon, pour faire ça, il va petit à petit se refermer sur lui-même. Il va se faire agresser et la violence de cette société idyllique va se révéler à lui. Sans argent, il va devoir aussi changer d'hôtel et perdre le côté beauté du Grand Paris pour une certaine simplicité. Mais le personnage reste confiant, hein. Il dessine des cœurs, il croit encore en cette beauté, même s'il est de plus en plus seul et abandonné. Le dernier rempart, c'est Roger. Le dernier rempart, c'est Roger. Dit comme ça, on dirait Brokeback Mountain dans un PMU. Ce que je veux dire, c'est qu'il est à la limite de tomber hors de la société et ne plus avoir de repères. Et le dernier qui lui reste, c'est un SDF, donc Roger, oui, c'est pas moi qui choisis les prénoms, qui décide de lui prêter un bout de tente dans la rue. Sauf que bon, Roger décède, et donc Sorgueil n'a plus de repères. Et si la société ne le soutient plus, eh bien il la détruira lui-même. Il se met à vivre dans un squat, ne sort plus, et quand il sort, c'est pour détruire et tuer. Dans un certain sens, la mort dans le film est un aveu de fiction. Quand on vient de se manger une heure de faux documentaire ultra réaliste, voir quelqu'un se faire assassiner, c'est clairement dire ok les gars, vous regardez un film, mais c'est pas parce que c'est un film que vous allez en sortir indemne. Sorgueil veut détruire le rêve et le transformer en cauchemar, croyez-moi, vous en ferez partie. Il tue d'abord un innocent dans la rue, c'est impulsif, c'est pas réfléchi, c'est découvrir la sensation de tuer, l'appréhender pour mieux lui laisser carte blanche ensuite. Il tue ensuite la femme, il approfondit sa recherche de sensations et détruit un nouveau rempart vers une sorte de quête de liberté, liberté qu'il pense trouver plus loin qu'à Paris. Il part en road trip et sur son chemin, il assassine d'abord la vieillesse en s'infiltrant dans une maison de petits vieux. Il devient complètement un homme des bois. Peu à peu, plus les assassinats avancent, plus il s'enferme dans la forêt primitive. Après ça, il assassine l'amour, un couple de jeunes qui campaient, bam, à plus les petits jeunes. Il assassine ensuite l'enfance, une maison avec un couple de gamins, bim, je mange le gamin sous vos yeux parce que quand même il commençait à faire faim. Et puis il entend un bébé pleurer à l'étage et ça c'est la dernière étape, le dernier rempart. Assassiner l'enfance et la naissance. Assassiner l'enfance, je connais ça, ouais. Et t'en es fier. Plutôt, ouais. C'est comme Sorgueil, c'est dans l'extrême total qu'on peut mener un combat. Je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'inversion des valeurs qui est pour moi l'angle le plus important du film. Je vous ai déjà parlé de la langue, mais si vous avez bien fait gaffe, on voit aussi une véritable transformation physique. Œuvre totale, putain. Au cours des 3 mois de tournage, le réalisateur a perdu plus de 20 kilos afin que l'inversement du physique fasse partie des différentes formes d'inversement du long métrage. Il se rase, se transforme, et pour info, c'est vraiment quelque chose que le réalisateur aime faire puisqu'il l'avait déjà fait pour un projet expérimental nommé Toto le Cannibal. Bref, pour en revenir à ce que je disais, on a une véritable inversion dans la langue, le physique et le mental de Sorgueil. Il est d'abord ouvert à la société, il veut la découvrir, la montrer, la partager, mais plus l'histoire avance, plus le personnage se retrouve à créer une œuvre sur lui, à se mettre en scène, à rentrer dans une réalisation auto-centrée et psychanalytique. Alors ok, je note, utiliser des mots compliqués pour se la péter. Tu sais, c'est pas parce que tu trouves des mots complexes qu'ils le sont, hein. C'est peut-être juste un manque de culture. Si on veut continuer sur l'inversion, on peut aussi parler des caméras. Comme elles représentent un personnage à part entière du film, toujours aux côtés de Sorgueil, elles évoluent elles aussi, mais étrangement dans le sens inverse. Au départ, on a une réalisation très bordélique, sans véritable construction, elles filment comme elles peuvent et basta, elles sont dans un format documentaire. Or, plus le film avance, plus elles s'assagissent. Elles sont de moins en moins documentaires pour devenir de plus en plus cinématographiques. Elles se posent, elles prennent le temps de créer des plans fixes longs, se permettent même la folie de faire des contre-champs et de se multiplier. Si on veut encore plus se branler la nouille dans la symbolique, ce que j'adore faire, hein. On avait remarqué. On peut dire que si Sorgueil est au début un adulte sage réalisant sa vie à l'envers, vous rappeler la vieillesse, l'amour, l'enfance, mon cul sur la commode pour finir vers la liberté totale de l'avant-vie, on a le contraste de la caméra qui commence avec la fougue de la jeunesse pour ensuite se calmer et mourir sur la plage face à un Sorgueil qui renaît et révèle l'être. Mais bon voilà, je vous dis ça, c'est mon interprétation, hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais putain, différents niveaux de lecture, ressenti des objets, œuvre totale. Et si on veut pousser un dernier coup le côté œuvre totale du délire, je pense aussi que le ressenti primaire du spectateur joue pour beaucoup dans l'inversion des valeurs du long métrage. Quand on découvre au début le personnage principal, bah on rigole parce qu'il est maladroit, perdu, un peu bête face à des situations qui nous sont quotidiennes. La vraie question est à quel moment le spectateur arrête de rire? À quel moment le spectateur se décide à arrêter d'apprécier le côté réaliste rigolo pour sombrer dans la fiction extrême? Et je pense que tout spectateur a un palier différent, ce qui fait que le début de l'inversement du film dépend du moment où le spectateur bascule niveau émotion. Juste pour savoir, t'avais vu tout ça? J'ai cherché, ok? T'es pas prêt. Pardon? Non, rien.
Face à ce long métrage et sûrement aussi ma présentation, il n'y a que deux réactions possibles je pense. Soit on a très envie de le voir et on va se prendre une claque dans la gueule, je crois que vous imaginez même pas à quel niveau, soit on a déjà décidé depuis la première seconde que c'était foutu et on a fui depuis longtemps. Mais alors donc, quel est l'avenir du projet? Le passage du long métrage à Cinéma Brut en 2013 a permis de débloquer deux choses. Premièrement, le film a été sélectionné au Festival Groland de Toulouse dans la sélection Gros Trash, ce qui a permis de faire connaître un peu plus le bousin. Puis a ensuite été diffusé de façon assez bordélique dans Paris, dans des lieux allant de la petite salle de cinéma indépendante jusqu'au squat. Et c'est tout. C'est con hein, parce que pour un film qui a été fait dans un sens avec énormément d'anglais, le voir se limiter à quelques diffusions françaises est assez triste. Aujourd'hui, le projet est au stade où il est clair et net qu'il ne rapportera pas forcément de succès financier, mais qu'une œuvre comme celle-ci puisse se frayer un chemin vers le succès d'estime serait vraiment une belle chose. Par une diffusion libre sur internet? Ouais, possible. Par des ventes de DVD? Sûrement. Quoi qu'il arrive, il est certain que vous serez peu à le voir dans votre vie, et y avoir accès est une véritable chance. Pour ne pas être trop frustré, il vous reste toujours la possibilité de visionner les quelques références qu'a pu voir le réalisateur en créant Sorgueil, comme notamment Grizzly Man, un long métrage de Herzog traitant d'un homme peu agréable se mettant en scène pendant 16 ans aux côtés des Grizzlies, Schizophrénia dont l'introduction violente et sans contrôle rappelle forcément le comportement de Sorgueil, ou encore dans un côté plus joyeux, les émissions de Maximi, j'irai dormir chez vous. Mais bon, voilà, Maximi, lui, il est un peu plus doux, mais vous avez saisi le rapport. Et quoi, c'est tout? Mater des films et basta? Non. Le plus important, c'est de bien conclure. En conclusion, Sorgueil Prakov, My European Dream, est un électron libre, fou, déviant, bercé dans la contre-culture et à ne surtout pas mettre entre toutes les mains. Et de toute façon, il est difficile qu'il arrive dans quelques mains que ce soit. Le réalisateur Raphaël Tcherkassky livre ici une œuvre, et je vais le dire pour la dernière fois, totale putain. Que ce soit dans la manière de concevoir une histoire, de la vivre en la créant et surtout de l'appréhender en la visionnant. Les niveaux de lecture sont multiples et sont là pour rappeler que ouais les gars, on peut montrer de l'ultra-violence et cette ultra-violence peut raconter quelque chose sans être stupide et premier degré comme le fait beaucoup trop de fois le cinéma tout beau, tout formaté. Je tiens à préciser par contre quelque chose, il n'y a pas de demi-mesure dans le film et dans la manière dont vous le recevrez. Si vous avez un jour la chance de le visionner, vous serez soit totalement en admiration face à la quantité astronomique de facettes que ce long métrage généreux veut bien vous dévoiler, soit hélas vous le détesterez et il ne restera qu'une répulsion totale face à cette œuvre ultra borderline. Ce qui me rend le plus triste dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui encore, les réseaux de distribution n'aient pas évolué et sont encore cloisonnés par l'argent, l'argent et tout l'argent. J'ai l'impression que la prise de risque n'existe plus et ça me fait peur parce que aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait encore voir émerger des cinéastes comme Gaspard Noé par exemple, des personnes qui osent emmener le cinéma vers quelque chose de plus loin que les simples carcans où ils s'enferment actuellement, qui tentent, qui expérimentent, se trompent parfois, hein, c'est normal, mais ne cessent jamais de se questionner sur l'œuvre et le rapport à l'œuvre pour faire évoluer une nouvelle vision de ce 7ème art. Je considère que Sorgueil Prakov fait partie de cette catégorie et j'espère qu'un jour il recevra l'hommage qu'il mérite de recevoir. Faut pas se décourager, il y a encore beaucoup à créer et s'il est difficile de le faire dans le moule des autres, eh bien la création continuera dans la seule liberté qui vaille le coup, à savoir celle que l'on s'impose. Allez, salut à tous. Eh ben, ça c'est de la conclusion. Je suppose que je dois te remercier. T'es pas obligé, pas de ça entre nous. Est-ce que t'as compris au moins ce qui vient de se passer là? Ouais, t'as fait une leçon cool, alors forcément qu'elle est cool. T'as l'entraînement là-dedans, c'est pas bien compliqué. Non, mais justement, j'ai de l'entraînement là-dedans. J'ai les connaissances qui te manquent. Et sans vouloir te manquer de respect ou quoi, t'as encore besoin d'apprendre, ça c'est une évidence. Je peux me débrouiller seul. Non, tu peux pas. Sinon je serais déjà mort. Écoute, t'as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Ah ouais? Ouais. J'ai passé beaucoup trop de temps seul. Ça m'aide pas. Ça aide pas mon message. Et toi, bah... ce que t'as fait, c'est impardonnable. T'as tué un gosse. Et je me dis que c'est un peu de ma faute. Alors laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide! Si, t'en as besoin. Vraiment. Tu veux qu'on se souvienne de toi comment? Comme le psychopathe qui a tué un gosse? Ou comme celui qui s'est battu noblement pour une cause? Qui est allé jusqu'au bout? Avec intelligence? Mais avec fermeté. Libère-moi. Un piège? Non. C'est pas un piège. Libère-moi, et je ferai toi quelqu'un de meilleur. Ou tue-moi maintenant! Pas de faux plan, hein. Pas de faux plan. Merci. Tu y as vraiment cru ? Tu y as vraiment cru? Espèce de...